Oui, vous aussi? Merci, non, c'est bon. Merci. Bon, vous voulez qu'on vous octroie un prêt parce que vous avez inventé une fête. Oui, à vrai dire, c'est une période festive qui arriverait pendant le mois de décembre. J'appellerais ça pour l'instant Naol, mais je suis pas certain du nom. Je vous explique comment ça marche? Oui, allez-y. Parfait. Le tout commencerait avec un sapin. Les gens mettraient une espèce de sapin dans leur maison comme ça, qui pourrait être décoré pour créer la fête. Ça annoncerait l'arrivée de Naol. Fait qu'il y aurait des boules comme ça, puis on pourrait mettre des guirlandes autour et des lumières un peu partout. Attendez, vous me dites que les gens vont avoir un sapin à l'intérieur de leur maison. Exactement, un vrai sapin, parce que ça annoncerait la fête. Mais ce sapin-là servirait à donner des cadeaux. En dessous du sapin, il y aurait des cadeaux, comme celui-là. Puis les gens se donneraient des cadeaux entre eux quand arrive la fête de Naol. Les cadeaux seraient emballés de façon aussi criarde? C'est pas tant criard, c'est festif. Parce que ça, c'est pour créer la surprise, pour pas que les gens voient ce qu'il y a à l'intérieur. Ces cadeaux-là, par contre, ce qu'on dit aux enfants, c'est qu'ils sont amenés par quelqu'un de très spécial que j'appelle le Père Naol. Voyez-vous, j'ai fait une maquette. Donc, ça ressemble à ça. C'est un vieux monsieur comme ça qui est habillé en pyjama rouge et qui demande aux enfants de s'asseoir sur ses genoux. Il les attire avec des cadeaux. Je suis pas sûre que les parents vont endosser ça, là, envoyer les enfants s'asseoir sur les genoux d'un vieux monsieur. Absolument, c'est sûr et certain. Là. Parce que les parents vont l'avoir vécu quand il était jeune. Et qu'ils vont vouloir le même bonheur pour leurs enfants. C'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps au début, mais... Puis ce monsieur-là, que j'appelle le Père Naol, entrerait par la cheminée, par effraction, pour aller chez le monde, pendant que les gens dorment. Vous êtes sérieux, là? Oui, complètement. Puis ça serait une surprise. Les enfants se réveilleraient, puis ils verraient ce vieux monsieur-là à côté du lit, puis oh, il m'apporte des cadeaux. J'ai entendu l'exposé de votre projet. Je dois dire que ça ressemble à quelque chose qu'on a reçu la semaine dernière, là. C'est-à-dire se donner du chocolat déguisé en lapin pour souligner la résurrection d'un messie. Je vais réfléchir à tout ça, puis je vais vous redonner des nouvelles. Est-ce que cette personne-là vous a proposé une bûche en gâteau? Les gens pourraient manger une bûche. Ce serait une bûche, mais en gâteau. Dedans, il y aurait de la crème glacée, c'est comme une espèce de roulé avec un... Ben oui, manger de la bûche. Oui. Je vous remercie, M. Nicolas. Dernière chance avant de quitter, il y a ça ici. Ça, c'est un gui. C'est une plante. Les gens s'embrasseraient sous le gui. Je vous demanderai de quitter, là. Juste avant de partir, j'avais aussi eu l'idée de gens qui se déguisent en momie pour ramasser des bonbons. Vous allez sortir immédiatement de mon bureau! Ouais. Tu sais que t'as bien du pit-pit là-dedans, hein? Des gros contrats le matin. C'est ça. Ah, écoute, il y a un gros building à démolir sur le coin, là-bas. Hey boy, méchant job. Toi, ouais. Un mal au bras après ça, toi? Oh, ouais. Hey, pis toi? Moi, j'étais encore sur le chantier, là, au bord de la rue. On se rejoint pour dîner? Oui, toi. Parfait. Attention à toi. OK. Fatigué, par exemple. Ça a été long, hein, chérie? Ouais. Ah, ouais, l'accouchement, c'était long, là. Ah, ouais, combien de temps ça a pris? Presque 24 heures, je pense. Oh. J'ai réussi à dormir 8 heures là-dessus. Tu sais comment est-ce que c'est, à un moment donné, la fatigue te rattrape, hein? Ben oui. Ben oui. Voulez-vous boire quelque chose, un moussu? Ah, ben oui, s'il te plaît, oui. Chérie, donnerais-tu le moussu? Hey. Hey. Bien. Tu peux me dire qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Pas de moins en pas, ça fait mal. Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ça faute à elle. Elle a tellement serré fort, à un moment donné, je pensais que j'étais pour m'évanouir. Elle veut bien tough dans la vie, mais même...
Même les médecins pensaient jamais à main cassée. Oh mon Dieu! Pauvre toi, man. Plus mon oreille cils, là. Elle criait tellement, c'était hallucinant. Voyons, t'es bien pas chanceux. Ouais. Tout un accouchement. Mais au moins, ça valait la peine. La première fois que tu prends un petit bébé dans tes bras, là. Oh, hein? Oui. Ah. En tout cas, ben, pour moi, ça a pas été si facile que ça la première fois, là. Comment ça? Y a-tu eu un problème avec le bébé? Non. Mais tu sais. Avec ma main. Hey, ben oui, la main. J'imagine la main. Hey, bonjour. Hey. Je viens pour le bain? Okay. Un bon bain, ça va me faire du bien, ça. Mm-hmm. Chérie, ça m'aiderait-tu à la cafétéria pour jaser avec eux autres un peu? J'aimerais ça dormir après mon bain, ça me fait du bien. Juste un petit peu de rien. Hein? Bouge-toi, merci beaucoup d'être venu, c'est gentil. C'est une marée. Pense à toi. Juste pas ça, madame. Salut, madame. Sergent Bouchard, qui est notre prochain suspect? Il s'agit de Monsieur Richard Gariepy! Commandant! Alors entrez, entrez dans la salle! Vous êtes notre prochain concurrent à Devine qui est le coupable! Bonsoir, Monsieur Gariepy. Nerveux? Oui, je suis très nerveux, oui. OK. On vérifie le témoin? C'est lui, je le reconnais, je l'ai vu sortir en courant de la banque. Le témoin fonctionne bien. Ça part mal pour vous, M. Gariepy. Première question. Où étiez-vous jeudi soir dernier? 5 secondes de réflexion. J'ai besoin d'une réponse. Oui, je vais... y aller avec mon appel, là. Je vais appeler mon avocat. On appelle l'avocat. Oui, allô? Oui, Denis, c'est Richard. Oui, j'ai besoin de ton aide, là. Je suis au poste de police. Pas encore fait un vol de banque. Oui. Oh, nous avons un aveu! Sergent Bouchard, que mérite M. Gariepy? Il mérite un forfait tout inclus de 3 ans à la prison de Bordeaux! Avec terrain de volleyball, salle de musculation et douche commune. Félicitations, M. Gariepy! C'est-tu pas vu, ça? Martin Bourassa arrive chez lui, puis il se demande ce qu'il va manger pour souper. Un petit souper congelé. Madame Sourire, Madame Sourire. Hey Martin, viens donc avec nous autres. Cœur. Et merci de l'invitation. Hein. Une autre fois, peut-être. 2 points, très d'union, puis ferme la parenthèse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Guillaume Lanteau. Sylvie Dionne vient d'ajouter des photos de voyage. J'aime. Aidez Guillaume Lanteau à trouver des amis. Aidez Guillaume Lanteau à trouver des amis. J'ignore ta demande d'ajout à ta liste d'amis. C'est ça, Nia Coman! C'est ça, Nia Coman! Essaye de regarder la vidéo de la fille qui perd son maillot sur la plage. J'aime! Est-ce que c'est complet? Oui. 117,93, veuillez avancer au premier comptoir, s'il vous plaît. Oui, merci. T'es sûr que tu préfères pas qu'on s'arrête pour manger? Non, on n'a pas vraiment le temps. C'est vrai qu'on est bien dans notre chambre. On commence par la viande, bœuf, poulet, tenez. Les sauces, moutarde, piquante et finalement rosée. Le caquelon. Attention, c'est très, très chaud. On le prend par là-bas. Donne-le-moi ici. Oh, ça sent bon. On va le mettre au milieu. Les petites fourchettes. Si jamais vous en manquez, au niveau du vin, je vous suggère un Mourvèdre 2010. Je vous laisse sentir le bouchon et vous me dites ce que vous en pensez. Oui. Laissez-moi le décanter. Tenez. Ah, merci. Ça va faire un total de 141,77, s'il vous plaît.
Merci. Merci. Bonne soirée, bon repas. À la prochaine. Au revoir. Ça va trop vite. Madame, si. Madame, je peux vous poser une question? C'est pour un vox pop, pour la télévision. Ouais. Parfait. Voici la question. Que feriez-vous si pendant une minute, vous pouviez acheter tout ce que vous voulez? Non, 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 madame, c'est pas vrai! Arrêtez, madame! Non, non, faites pas ça, voyons donc! Arrêtez! Non! Madame! Non, voyons donc! Non, c'est pas de la crème glacée, là! Arrêtez! Non, arrête! Madame! Arrête! Non! Appelle la police! Il vous reste combien de temps? Il vous reste pas de temps, il n'y a jamais eu de... Ah ouais. Toi, tu... Il est arrivé un accident à la maison. Ah. Quel genre d'accident? C'est gênant. Je faisais l'amour avec ma femme, puis il y a quelque chose qui restait coincé dans mon... Oh! Quel genre de... Une lame de poche. Hein? Il y a des piles dedans. Ah. Elle est présente. Elle est pas allumée. Non, je sais pas ce que je vais faire s'il y a une panne de courant. Je pense que je vais prendre une chandelle. D'ailleurs, ça... J'aurais été mieux de me rentrer une chandelle dans le cul, en effet. Merci, monsieur. Panne de courant. Moi, j'ai une otite, puis lui, il y a une lame de poche en rectum. Oh. Avec les batteries. Bien, les mécanos semblent rodés. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans les temps, en espérant qu'il n'y aura pas d'accrochage. Allons-y pour le plein de carburant. Le ravitaillement café semble bien se dérouler. On devrait avoir une sortie pour le bureau très rapidement. Oh, on me souligne qu'il est passé faire le numéro 2 et que c'était beaucoup trop long. Aïe, c'est la catastrophe. Oh, quel retard. Nous voici dans le trafic. On oublie la promotion. Votre père vous a préparé un testament vidéo. Je propose qu'on commence en regardant ça. Mes chers enfants, ma famille, il m'est étrange d'enregistrer mon testament sur vidéo, mais mon avocat m'a dit que c'était la meilleure façon de faire. Je lègue ma maison... Mon avocat, M. Dubois. Ensuite, je laisse en héritage mon condo de l'île des Sœurs. Mon avocat, M. Dubois. Et le reste de mes économies devront être partagées également entre... Mon avocat, M. Dubois. J'espère que cette façon de partager mes avoirs convient à tous. Mais promettez-moi une chose. Je ne veux pas que vous vous disputiez inutilement pour l'héritage. Souvenez-vous, je vous aime.
Ouais, c'est... Je pensais pas que mon père et vous étiez de si grands amis. Ouais, ouais, on était... très proches, Pierre et moi. André. Il s'appelait André. André. Oui, 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 André. Mais il me permettait que je l'appelle Pierre. Ah, OK, je vois, je comprends. Ouais. J'aimerais ça être seul. J'ai encore beaucoup de difficultés à me faire avec l'idée qu'il soit parti. Oh, ouais. C'est carré, on comprend ça. C'est Patty encore. C'est Patty, hein? Bonjour, Viviane Duchesne, viens pour l'entrevue. Oui, vous pouvez vous asseoir. Madame Lalonde? Mademoiselle Duchesne est là pour l'entrevue. Bonjour, Joanne Lalonde. Viviane Duchesne, enchantée. Enchantée. Excusez-moi, je suis un peu sur les hautes parce que je suis nerveuse. Non, oh, faites-vous-en pas, ça va bien aller. Fais passer à mon bureau. Merci. Tu prends mes messages. Or, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant... Mangez-en tous. Car ceci mon corps livré pour vous. Le corps du Christ! Le corps du Christ! Wouh! 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 Notre Père qui est aux cieux. La vérité, ça. Ok, j'avoue, j'y donne un petit coup. Ben voyons, mon grand. Tu sais qu'il faut pas frapper le chien. Hein? Bon, on oublie ça. C'est pas grave. Bonne nuit, maintenant. Papa? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Ben oui, je t'aime. C'est ce que j'aime le plus au monde. C'est la vraie vérité, ça. OK, j'aime plus ta sœur. Elle est bonne à l'école. Puis elle fait pas pipi au lit, elle. Puis elle dessine bien. Pas comme les cochonneries que tu m'obliges à accrocher au frigidaire. Puis tu sais, quand on joue à cachette, toi et deux, c'est plate. Non, t'es pas, je veux dire. Je te trouve toujours en dedans de deux secondes. Ah, des fois, je me dis qu'on aurait peut-être pas dû avoir d'autres enfants après ta sœur. Comme ça, je pourrais continuer de voir mes chums, me saouler la gueule, faire du moche de temps en temps. Là, après, je suis pogné à la maison à écouter un remake des Schtroumpfs. Qui voulait vraiment revoir les Schtroumpfs, tu sais? Bonne nuit. Ah, pis, si tu veux tout savoir, là, ce que j'aime le plus au monde, c'est faire de la moto. Mais tant aussi longtemps que tu vas être aux études, j'ai pas les moyens de m'en acheter une. Fait que ce serait le fun que tu lâches vers le secondaire 4, OK? Bye-bye!